Est-ce que Luis Enrique va persister avec son système à 4 avant-centre? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Luis Enrique, on va parler de son schéma tactique. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fondé parti. Alors, les amis, est-ce que Luis Enrique va remettre son système à 4 avant-centre? On a vu que face à Marseille, ça a marché. Face à Strasbourg, ça a marché. Mais face à Newcastle en Ligue des Champions, ça n'a pas fonctionné. Le PSG s'est fait détruire en Ligue des Champions avec l'intensité, le pressing. Ils ont été dépassés par le pressing de Newcastle. Est-ce que ce système à 4 avant-centre va tenir contre le Milan? Parce que certes, tu joues avec 4 avant-centre, tu es offensif, mais pour moi, ça crée un déséquilibre. Et Newcastle, face à Newcastle, on l'a encore vu, comment l'équipe était déséquilibrée. Ça manquait d'impact, ça manquait de pressing, ça manquait même de coordination dans le pressing. Et au très très haut niveau, pour moi, je trouve que ce système allait limiter. Ce système avec 4 attaquants allait limiter au très très haut niveau. Après, est-ce qu'il va remettre ce système face au Milan? Est-ce que le Milan va jouer comme Newcastle, c'est-à-dire le pressing? Parce que le PSG n'aime pas le pressing. Et lorsque tu presses le PSG très haut, tu le mets en difficulté. Le PSG, c'est une équipe qui n'aime pas le pressing. Il déteste le pressing. Est-ce que ce système à 4 avant-centre va tenir face au Milan AC? Parce que, a priori, Luis Enrique, il va partir avec ce système de jeu. C'est un coach qui est têtu. Il est trop têtu, les amis. C'est un coach qui n'aime pas. Il aime quand on dit que oui, c'est un génie tactique et tout. Mais sauf que parfois, lorsque tu veux qu'on te traite de génie tactique, généralement, ça joue contre toi. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Sinon, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.